Hey yo à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Et oui les potos, du coup on est dans les défis de la semaine 3, donc de la saison 6 de Fortnite. Et aujourd'hui on a l'étape 4 sur 4, éliminer Rapace, Zénith ou Cœur Noir. Donc vous allez voir, en fait il n'y a que 2 PNJ en vrai que vous allez pouvoir tuer de façon assez facile. Zénith lui est un peu plus loin et surtout bah il fait extrêmement mal. Donc on va essayer de se focaliser soit sur Rapace soit sur Cœur Noir. Donc je vais vous inviter du coup à regarder la vidéo et avant ça de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mettre le petit code créateur Bokuni dans la boutique pour ceux qui veulent nous aider. Merci. Alors du coup les potos, on va directement du coup en jeu. Et on se retrouve pour le défi. Alors pour ce défi les potos, il va falloir tout simplement aller à un côté de la map. Donc en fait vous avez le choix. Donc il y a 3 PNJ comme je vous ai dit. Il y a Zénith, il y a Cœur Noir et du coup il y a quelqu'un d'autre aussi, je ne sais plus. C'était Rapace, voilà. Donc Rapace se situe juste ici et c'est là où on va aller. Donc juste à côté de Coral Castle. Et on a du coup Zénith qui est juste ici à Cathy Corner. Attention, Zénith est extrêmement fort et surtout c'est un spawn extrêmement joué. Honnêtement je vous conseille pas d'aller là-bas parce que bah vous allez juste vous heurter à un mur. Il y a beaucoup trop de gens qui spawnent là-bas et j'ai moi-même testé d'aller tuer ce PNJ là, sauf que il y a trop de gens, il y a trop de gens, c'est impossible. Genre il y a au moins 10-15 personnes qui spawnent là-bas par game, c'est hallucinant. Donc on va aller en dessous et on va aller tuer du coup Rapace. Hop, donc comme vous pouvez voir Rapace se situe juste devant nous. Alors attention, c'est un PNJ qui agresse automatiquement, donc dès qu'il aura la visu sur vous il vous agressera. C'est pour ça que je m'approche pas trop, mais vous pouvez voir. Donc voilà, on est bel et bien à Coral Castle et on va du coup tuer ce boss. Et voilà, je l'ai tué. Alors je l'ai enflammé parce que j'avais plus de balles, du coup j'étais allé chercher les munitions juste ici, mais du coup ça l'a bel et bien tué et j'ai validé le défi. Voilà, donc normalement on va pouvoir voir le boss juste ici qui est maintenant donc en forme fantôme et on peut voir du coup Rapace. Voilà, on peut lui parler une fois qu'on l'a tué et donc c'est pour ça que le défi marche aussi bien. Donc voilà, sur ce les potos, c'était la fin du défi. Je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.